Bien, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de l'épisode, non, du let's play, pardon, autant pour moi, le mec qui foire déjà son début de vidéo. Du let's play sur Mafia 3, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve sur ce magnifique jeu dont on s'était arrêté ici, donc on était arrivé avec notre petite voiture de sport, hein. Il y avait une cinématique qui a duré 3 ans, il a fallu qu'on dorme ici. Et puis bah maintenant qu'on est debout, et ben écoutez, hein. La mission bouffée au râtelier, objectif en cours. Il faut qu'on aille parler à Sammy et Ellis. Donc c'est pas compliqué. On va remonter ça tranquillement. J'ai toujours pas comment qu'on court par contre. Je pense que dans ces zones-là, on n'a peut pas un rond et on paie quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain de merde. Surveille ton langage. On serait pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel merdier? Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que dalle, bordel! Putain, mais ouvre un peu les... à me répéter! Alors démerde-toi, vieil homme! Laisse-le. Il a besoin de se calmer. Bah, je tu peux m'expliquer pourquoi il est énervé? On a quelques... problèmes... avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... vous voulez que je vous laisse? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous, j'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux? Bah, tu connais Ellis. Quelqu'un le regarde de travers, il lui saute à la gorge. Comme je disais, je peux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Je rêve où le mec il vient d'allumer sa clope. Cette nourriture. Il a pris une taf s'il l'a fini, tu sais. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelques fois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie. Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de Mare Island. En fait, il était surtout revenu dire au revoir à Sammy et Ellis. C'est alors qu'il a découvert les ennuis que Sammy avait avec les Haïtiens. Et il a décidé de rester pour l'aider. Des oiseaux de malheur, ces Haïtiens. Mais pas moyen de dissuader Lincoln. On pensera ce qu'on veut de lui, mais il a toujours été loyal. Ok, donc je crois que les ennuis vont commencer. Petit problème avec les Haïtiens là, ça me plaît pas trop. Enfin si, quoique, dans le fond ça me plaît quand même, parce qu'au moins ça va peut-être commencer à bouger un peu. Si tu vas là-bas, ça sera pour faire quoi? De la soudure à tous les coups. En mode formation pour commencer, ensuite, le syndicat te laisse bosser. T'as annoncé la nouvelle à Sammy et Ellis? Pas encore. Je voulais attendre quelques jours avant de leur dire. Ça risque pas de leur plaire. Mais ils finiront par s'y faire. Tu dois penser à ce qu'il y a de mieux pour toi. Commence le service sans moi. Je reviens. Ok. Passe mes amitiés à Sammy et Lincoln. Oui, monsieur. Suivant. Un repas chaud, ça met du baume au cœur. Oh, tu le sers quand? Ah merde, faut que j'appuie sur X. Putain, on aurait pu être là longtemps, les gars, moi je vous le dis. Hein. Merci. Et les autres derrière, vous auriez pu crever de faim. Suivant. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, oui, il cause pas. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici, Lincoln. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Ah bah putain, Mafia 3, mon gars, c'est overcooked, okay, alors. T'es à peine rentré quand t'as déjà mis au travail? Ça me fait plaisir. Ça veut dire beaucoup pour nous. Ça c'est overcooked, bon, c'est un peu plus facile, hein. C'est moche de vieillir. Crois-moi, ça vaut pas le coup. Je vais tâcher d'éviter, alors. Salut, Lincoln. Comment ça va, Réjeanne? Ah, ça va. Je suis contente de te revoir, Adelrey. Pas autant que moi. Mes jolis yeux m'ont manqué. Eh ben, mes jolis yeux et moi, on crèche chez ma tante en ce moment. Tu devrais passer à l'occasion.
Il y a les trois là. Lincoln, on a des ennuis. Cours, Réjean. Bon sang, après toi, Sammy est le prochain sur la liste. Passe par-dessus. Passez par-dessus votre couverture. L plus Y, L c'est quoi ? Allez mon gars ! Couchez mon gars ! Tu vas faire quoi ? Tais-toi toi ! Qu'est-ce qu'il y a là ? What ? François Duvalier, qu'on appelle aussi Papa Doc, a été élu président d'Haïti en 1957. Dès 1959, il a créé une police secrète appelée les Tontons Macoutes, et les gens ont commencé à fuir. La plupart se sont installés au sud des États-Unis. Parmi les bons travailleurs honnêtes se trouvaient des criminels endurcis. Ils étaient le noyau de ce qui est devenu le gang des Haïtiens. Lincoln a découvert qu'ils s'étaient établis dans les marais, avec à leur tête un homme appelé Baka. Tiens, okay. Déjà fini avec le père James ? Les Haïtiens nous sont tombés dessus. Il est temps qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Tu as 112 ans. Il y a 6 ou 7 mois, les gens de Del Rey ont commencé à se faire cambrioler. Du pognon, des bijoux, des trucs comme ça. On s'est vite rendu compte que c'était les Haïtiens. Et ensuite, ces sales crevards ont commencé à voler la loterie. Combien d'argent est-ce qu'ils ont pris ? Combien ? Assez pour nous foutre dans la merde avec Sal Marcano. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas payé. Putain de merde. Si je m'occupe d'eux, on aura le temps de s'arranger avec Marcano, pas vrai ? Marcano, je le connais bien. J'en fais mon affaire. Mais cette histoire avec les Haïtiens... Ça peut plus durer. Élise et toi, il faut vous en occuper. Comment on les trouve ? On les cherche. Dans les années 20, les gens venaient récolter du sel dans le bayou. Ils se sont même construit un petit bidonville. Après la crise, ils l'ont abandonné. C'est le seul endroit d'où ça peut venir. Il va nous falloir des armes et des munitions. Appelle ce numéro. Mais fais ça loin d'ici. Pas question qu'on se fasse tracer. Ou alors, on ratisse Del Rey. Et on bute chacun de ces enfoirés jusqu'au dernier. Comme ça, on n'aura plus à s'en occuper. Montrez aux habitants de ce quartier des Noirs qui s'entretuent. C'est la dernière chose dont on ait besoin. Non, on fait ça au calme. Loin d'ici. Dès qu'on aura éliminé ceux qui tirent les ficelles, les autres tomberont tout seuls. Crois-moi. Ok, petit soldat. Alors je te suis. Faites gaffe, d'accord ? Ces Haïtiens, c'est pas des enfants de cœur. Les sous-estimer serait une grosse erreur. Oh, les baraques de ouf, quand même. Celui qui répand le sel suscite l'hostilité. Les chargements okay, sont, sont pas longs pour la petite coupure. Cool. Donc j'ai mis sur pause. Le jeu s'est fermé d'un seul coup. J'ai pas compris pourquoi. Donc du coup, on se retrouve juste. Je voulais juste voir la carte en fait, vite fait. Voilà, je vois que c'est tout fantôme du bayou. Ouais, donc c'est tout le marécage. Hein. Et on peut voir quand même que la ville a l'air plutôt grande. Hein. Donc à mon avis, l'aéroport là, ça doit être condamné. Ça se trouve, on va déverrouiller ça vers la fin, comme la plupart des jeux souvent. Ils aiment bien bloquer les routes. Enfin trois bref, derrière. On se retrouve juste là. Ok. Bon, j'espère que le jeu va pas le planter deux fois parce que vraiment... Combien d'hommes on a sur le coup ? Deux équipes, une pour le bar, l'autre pour chez Perla.
Si on doit. Déplacement furtif. Filez discrètement vos ennemis et évitez d'attirer l'attention. Un indicateur blanc au centre de l'écran permet d'évaluer l'attention des ennemis. Plus vous vous approchez de l'ennemi ou plus vous ferez de bruit, plus l'indicateur grossira, l'ennemi se mettra à votre recherche. En déplacement furtif, vous ferez moins de bruit et resterez hors du champ de vision de l'ennemi. Si les ennemis se mettent à votre recherche, restez à couvert. Dès que les recherches auront cessé, l'indicateur d'attention de l'ennemi disparaîtra. On est la moitié d'heure et pour choper Samy, on n'hésite pas. Ordre du patron. Oui, tant que le vieux est de ce monde, on continue. Lui, Ellis, et l'autre. Lincoln Clay. C'est lui. Cette fois, pas question qu'il nous échappe. On va pas prendre de gants avec toi, mon frère. Défonce-le. Viens que ça te plaît en joue. Ah, mais d'accord, en fait, j'étais repéré comme un gros boulos. Barre de santé. Vous avez subi des blessures graves, votre santé est faible. Restez à couvert jusqu'à ce que votre santé soit rétablie ou utilisez un shot d'adrénaline. Se mettre à couvert, appuyez sur A, shot d'adrénaline. Voilà, oh mais oula, oula, on va recommencer. Vas-y, fais-toi tuer parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Là, je. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais. Bon, par contre, ce serait bien. Voilà, merci. Bon, ça a pas planté, j'espère, là. Combien d'hommes on a sur le coup ? C'est bon. Une pour le bar, l'autre chez Perla. Si on doit brûler la moitié de Delray pour choper Samy, on n'hésite pas. Ordre du patron. Mais du donc coup, le vieux de ce monde, on continue. Lui, Ellis, et l'autre. Lincoln Clay. C'est lui. Cette fois, pas question qu'il nous échappe. Il vient par là l'autre. Attends. Je vais pouvoir buter l'autre du coup, non. L'autre il reste là-bas, c'est bon. L'autre faudrait qu'il dégage. Putain, il va avoir le corps de son pote aussi. Non, il est trop con. Il est trop con. Il est bien trop con, ce gars. Vas-y, vas-y, chante. Je vais me faire baiser de ouf, là. Non. Allez, coucher. Ok, bah voilà. Quand on veut. Ah ouais, ça c'est mieux ça. Merci. Ah bah j'ai, du coup je garde le gun, ça c'est cool. Bon, alors là, c'est une voie sans issue. Hein. Je pense que ça sert à rien de tenter le diable. Putain, je baiserai bien la gueule à l'autre là, parce que Champly va me faire chier. Là-bas, il y a quoi là-bas? Ok. Je pense. J'aurais dû tuer ce vieux croton il y a longtemps. Patron Flipex a mis un pic Marcano, je crois. On va me tomber sur la gueule. Ce putain de chunky, on a rien à carrer d'un négro en bout de course. Tant que le fric rentre, Marcano se fout bien de qui le fait rentrer. Quelque chose par là? J'en fais du bordel, moi. Il est où l'autre là qui est parti? Je vais me faire baiser là.
sifflet pour faire diversion et disperser un groupe d'ennemis. Ah! Et bah voilà! Tais-toi, t'as rien vu, tais-toi. Voilà, couché, mon gars, couché. Couche plus. Laisse-moi y avoir du monde par là. Alors, je suis quelqu'un qui kiffe faire ce genre de mission, mais ça peut être très long. Ok, là-bas, il y a du people aussi. Hein. Il y a un mec là, j'ai vu un mec, je crois. Comment on siffle? Putain, je maintiens la touche, ça marche pas. Ah, mais c'est parce qu'il faut qu'ils soient en groupe, les mecs, je pense. Genre, en vrai, il m'a pas vu, tu sais. Voilà, et c'est bien ce qui me semblait qu'on pouvait le passer par-dessus. Ce qui me semblait. Alors à la limite, je vais faire le tour par là-bas. C'est tout le groupe qu'il va falloir disperser là-bas, dis. Je te raconte pas l'histoire. Hein. Personne dans la maison. Ok, j'imagine que là on peut pas passer. Attends, merde, ils sont où? Ok, ils sont là. Ils sont 4, donc ce qu'il faudrait que j'arrive à faire. Au pire, je peux les déglinguer avec ça. Ah, mais j'aime bien quand même faire ça avec de la discrétion. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner par là-bas. Discrétion, pas du tout assurée. C'est con, c'est pas comme dans... Mince. Comment il s'appelle ce jeu? Far Cry, tu lances un caillou. Ça le top ça. Y'a un mec là-bas aussi. Okay. Ouais, je pense qu'en fait il faut faire le tour par là. Je vais me faire baiser là. Faut passer dans un bâtiment plutôt. Bon, pour l'instant on avance tout doucement, je fais plus du repérage qu'autre chose. Et si je peux arriver à faire la mission sans me prendre de balles et sans alerter personne, ce serait pas trop mal. Ok, là il y a un mec. Il est en face d'un autre mec aussi. Je voudrais bien siffler, mais... Ah, mais non, il va pas me voir si je veux pas. Viens là, toi. Fais dodo, petit, pour maman. Fais dodo, petit, pour maman. Tu vas faire dodo. Si bébé fait pas dodo, grand loup va le manger. Grand loup va le manger. Si bébé fait pas dodo. Ça pue l'espèce de sniper sur toi, non? Grand loup va le manger. Attends, merde, faut pas qu'il vienne juste en dessous de moi aussi. Putain, je sais pas où qu'il est.
côté. Pour, pour attirer l'attention, ouais, bah écoute, c'est bien, mais. Je pense que si je vais par là. Il n'y a absolument rien, donc. Je vais retourner là. Essayer quoi. Putain de vingt lieux. Comment on peut pas grimper? Non, malheureusement. Lui il m'emmerde. Putain, je lui tirerais bien une balle ce fumier là. Le groupe de tout à l'heure, il est où? Ok, lui il bouge. Il y en a un là-bas. Ouais, je sais ce qu'il faut que je fasse. Allez, on va y aller parce que sinon on va coucher là, moi je vous le dis. Descends. Personne vient par là, c'est bon. Alors là-bas, le truc que je crains, c'est que là je me fasse choper. Coucher. Je vais de suite revenir par là, par contre. Ok. Lui, il va revenir. Non. Que lui va être passé, boum. C'est bien. Je vais attendre là, dès qu'il va repasser, boum. Eh, ça se présente bien, moi je dis. C'était tout con ce qu'il fallait que je fasse. Mais je stresse tellement aussi que je pourrais passer 40 minutes à faire ça. Allez, faut qu'il revienne par contre là. Il n'y a pas de musique d'ambiance, il n'y a que dalle en même temps avec les copyrights que j'ai eu sur l'épisode 1. Pas trop envie que ça se reproduise. Puis là, il peut. Son pote il est mort d'une façon très moche. Je sais ce que je vais faire. J'espère qu'il n'y a personne à côté de l'autre là. Bonjour. Alors mon gars, je vais te prendre ça. Il y a à mon avis à cet endroit là par contre. Déjà j'arrive, je fais tomber 40 torches là. Ok, donc là. Là, qu'est-ce que comment je pourrais me démerder? Ok, toi. Non, en fait, on va attendre un peu. Je suis caché, tu me vois pas, je suis caché. Bon, je pense pas que j'ai besoin de ça. Hein. Aucun témoin. Ouais, c'est là qu'il y a le. Ah, putain, allonge-toi, bolos. Et donc là, comment que je vais me démerder? Ah bah c'était la flèche de gauche, putain, je suis vraiment con moi. Pour siffler.
mais là je suis dans une merde, mon gars. Vaut mieux aller voir qui c'est. Viens. Viens. C'est ça, mon gars, viens. T'es un bon chien, chien. Coucher la bête. Regarde, il regarde tous par là-bas, c'est ça qui roule. Oh putain, il est bloqué par la bagnole, ça se trouve. Je voudrais bien qu'il monte là. Hein? On s'arrêtera pas tant qu'on te trouvera pas, mec. Monte. Viens. Monte là. C'est bien, t'es un bon chien. Viens, lève tes pieds. Où tu vas? Part, tais-toi. Hein? S'arrêtera pas tant qu'on te trouvera pas, mec. Oh là là, cette technique, c'était pas du tout prévu. Coucher, toi. Il y a toujours là-bas, l'autre. Là. Ok, je vais peut-être aller regarder par là. Ah, viens. Vas-y, viens. Ah bah alors là, tu tombes mal de ouf, là. Là, t'es mort. Surprise. Voilà. Apparemment, ce serait dans cette zone-là, non? Une espèce de zone verte, zone hostile. Tu fais honte à ton sang, africain. Va te faire foutre. Tu viens monter. Tu n'as pas le droit. J'aurais dû tuer quand on avait l'occasion. D'abord, je te fais. Ensuite, ce sera le tour du vieux. C'est quoi cette blague? MDR, hein. Va te faire foutre, espèce de sous-merde! Enfoiré! C'était une grosse erreur de vous en prendre à tel ray! MDR, le mec, je lui ai foutu 45 cartouches! Les noirs n'ont pas de compte à rendre au blanc! L'homme dont tu parles m'a ouvert sa porte quand j'avais nulle part où aller! Toi! Tu vaux pas mieux que lui! Jamais fini. Jamais. Putain, Isia. Le fils de Samy est là-dedans. Tuez-le.
Bon bah écoutez les amis, moi je pense qu'on va se laisser là. Ça fait déjà un très bon épisode. Ok, je suis sur le point de me faire enflammer la gueule. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Je pense quand même qu'il va durer un petit bout de temps. Moi je vous retrouve pour l'épisode 3. Hein, donc on va reprendre évidemment sur cette fameuse scène. On va continuer la mission tranquillement. Et puis voilà. Hein. L'histoire va défiler. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.